Méditation du 13 décembre. Sang bleu. Selon la loi, presque tout est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Hébreux 9, verset 22. Lorsque le Seigneur a fait une promesse à Abraham, les alliances étaient signées avec le sang d'un sacrifice et impliquaient la mort de quiconque ne respectait pas le contrat. Le Christ n'a pas versé son sang en tant que transgresseur, mais comme sacrifice qui ratifiait le pacte. Notre vie est transitoire, mais la nouvelle vie que Dieu nous offre est durable. Il a fallu la mort du Christ pour que les termes de la nouvelle alliance entre en vigueur. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous, a dit Jésus. Luc 22, verset 20. En 1994, Robert Rodat a enquêté sur l'histoire des 8 frères Nylon. Ils sont tous morts pendant la guerre de sécession. De ce travail est née l'idée du scénario du film « Il faut sauver le soldat Ryan » 1998. Lors du débarquement de Normandie, en pleine Seconde Guerre mondiale, le capitaine John Miller a été choisi pour diriger une équipe chargée d'une mission dangereuse, retrouver le soldat James Ryan, dont les 3 frères étaient déjà morts à la guerre, afin de le mettre en sécurité. La raison, il ne fallait pas que tous les enfants d'une même famille soient tués à la guerre. La bataille pour ce sauvetage a été dure et le capitaine Miller, sur le point de mourir, a dit à Ryan, « Nous avons fait un grand sacrifice pour toi. Vis une vie digne à la hauteur de tout cela. » À la fin du film, dans sa vieillesse, Ryan se rend sur la tombe du capitaine pour lui rendre hommage et demande à sa femme s'il a vécu dignement à la hauteur du sacrifice de son sauvetage. Le Seigneur Jésus-Christ a payé le prix de notre rançon avec son propre sang. Vous êtes sa propriété. Extrait du livre Afin de le connaître, 22 février, page 59. Très bientôt, le Seigneur s'exclamera dans l'éternité. Voici les rachetés de mon sang. Pour eux, j'ai souffert et pour eux, j'ai donné ma vie. Je veux qu'ils demeurent en ma présence durant l'éternité. Extrait du livre Tragédie des siècles, chapitre 42, page 589. Le terme sang bleu est utilisé au niveau international pour désigner les descendants ou les membres de familles nobles ou royales. Personne ne peut obtenir la grâce par ses propres mérites. Nous sommes tous indignes, mais comme Ryan, nous sommes appelés à vivre dignement à la hauteur du prix de notre sauvetage. Nous avons été sauvés par le sang bleu du capitaine et roi pour vivre en tant que sauveteur. Vivez-vous une vie digne d'un fils du roi? Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.